6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est là avec vous, il est 7h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie, énergie. Il y a mon hit préféré qui arrive. Ah. Zara Larsson, Uncover, ça arrive pour vous. Je double votre salaire aussi à 7h05, juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va bien profiter d'un soleil généreux ce matin sur la Côte d'Azur parce que les nuages ne sont pas loin. Ils devraient commencer à se montrer dès la mi-journée. 16 degrés vont s'afficher au meilleur moment. On en a relevé 9 tout à l'heure à Menton, 10 degrés à Monaco et Castellar, 6 degrés pour Sospel, 5 degrés à Vintimille. Et le week-end pluvieux commencera dès demain matin. Du foot dans l'actu ce matin avec le retour de la Ligue 1 ce week-end. La 29e journée de championnat commence dès ce soir avec deux matchs au programme. Monaco-Bastia et Nice-Guingamp. Côté monégasque, le match va se jouer sans Toulalan et Ferreira Carrasco. Notamment, ils sont forfaits. Coup d'envoi à 20h30. Dimanche soir, on attend le choc entre Lyon, le leader, et Marseille, le troisième, au stade Vélodrome. Ils peuvent rentrer. Les témoins du crash d'hélicoptère en Argentine en début de semaine ont été entendus par un juge hier. Ils ont ensuite rapidement quitté leur hôtel près du lieu de l'accident qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 8 Français, parmi lesquels Camille Muffa, Florence Artaud et Alexis Vastine. Et les survivants de l'émission doivent quitter l'Argentine dans la journée. Ils sont attendus demain à Paris. La tension monte d'un cran chez Robert Shaw à Monaco. Après le blocage des accès à l'usine d'électroménager par les salariés, la direction a à son tour décidé hier de leur en interdire l'accès. Je vous rappelle que l'entreprise doit être délocalisée en République tchèque et le personnel remercié. Ce sont les négociations sur les conditions de départ qui posent problème. Elles se sont terminées hier. Les 82 salariés doivent se prononcer lundi. Ce n'est pas demain que vous allez vous équiper en meubles suédois. Alors que l'inauguration était annoncée pour l'année prochaine, c'est finalement en 2018 que devrait ouvrir IKEA à Nice. Installé dans l'éco-quartier Saint-Isidore, le géant de l'ameublement doit affiner sa programmation de travaux. C'est un magasin de 40 000 mètres carrés qui devrait sortir de terre juste à côté de l'Alliance Riviera. Un établissement dernière génération avec des parkings souterrains, un toit végétalisé et le sacrifice des traditionnelles couleurs jaune et bleu de l'enseigne. Patience donc. Enfin, après le mobilier, parlons immobilier, on le savait déjà, mais ça se confirme, Monaco est la ville la plus chère au monde. Selon les données d'un réseau spécialisé dans les transactions de prestige, avec 1 million d'euros, on ne peut s'offrir qu'un 17 mètres carrés sur le rocher. Pour le même montant, on en a 145 à Dubaï. Le territoire exigu coincé entre terre et mer et l'attractivité autour d'une population aisée explique ces chiffres. Je vous rappelle que dans la Tour Odéon, qui doit être inaugurée au printemps, un appartement terrasse de 3600 m² est estimé à 500 millions d'euros. Voilà pour vos infos. Il est 7h04. Bon réveil. On est là avec vous comme chaque matin pour démarrer, pour créer cette journée tous ensemble. On est vendredi, tout le monde est là, Mélanie la première. Coucou. Oriane est là aussi. Bonjour. Il y a mon radarisation. Salut. Il y a Nico qui s'occupe du web. Ouais. On va s'écouter Zara Larsson. Ça arrive dans 2-3 minutes. C'est mon hit préféré du moment. J'adore ça. Ça s'appelle Uncover. Je vais doubler votre salaire dans quelques secondes parce qu'il est déjà 7h05. Mais juste avant ça, si vous venez de vous lever et que vous êtes fatigué et que vous avez envie de faire une sieste, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ouais. Bon, faire la sieste des coins de se réveiller le matin, c'est compliqué, mais quand même. Une marque américaine qui s'appelle Firebox vient de lancer un kit pour faire la sieste au travail. Ah. Ça coûte 40 euros. Ouais. Et pour 40 euros, qu'est-ce que t'as ? Tu as un matelas gonflable et une combinaison qui fait duvet. Mais non. Oui. Et c'est, ils expliquent, c'est pour faire la sieste au travail à ton bureau. Hop, tu gonfles ton matelas, tu te mets dans ton duvet et tu fais ta sieste. Mélanie ? Pas autorisé de faire la sieste au travail, enfin logiquement. À quel moment on te laisse déployer ton duvet et tout ? Bah disons que si t'arrives au boulot avec un matelas gonflable et un duvet, on peut penser effectivement que tu seras pas l'employé du mois. Mais oui, je m'étonne. Voilà, et tu peux peut-être gagner ce qu'on appelle le kit viré, qui consiste en une boîte avec une boîte vide dans laquelle tu mets tes affaires et un chèque que tu récupères à la compta, effectivement. Faut demander peut-être avant. Ouais. Allez, 7h06, je double votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Chaque jour, deux fois par jour, je double votre salaire, 7h05 et 8h05. Vous vous inscrivez pour que ça vous arrive, c'est très simple, c'est gratuit. Vous allez sur energie.fr ou sur manudans69.com. C'est ce qu'a fait Maureen. Elle habite Saint-Ingle-Vert, c'est dans le Pas-de-Calais. Elle a 20 ans, elle touche chaque mois 773 euros. C'est pas assez. Non. Ah non, c'est pas assez. Non. 773 euros, non. Maureen, je t'appelle, je vais doubler ton salaire. Je suis pas content.
Maureen, attention, ça va sonner. Normalement, ça va sonner. Bah, normalement. Oui. Là, pour l'instant, ça ne sonne pas. Là, ça sonne. C'est compliqué pour arriver dans sa maison, je ne sais pas. Allô, Maureen ? Oui. Maureen, de Saint-Inglevert, dans le Pas-de-Calais ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Eh ben oui, Maureen, c'est moi. Ça va ? Ouais, ça va. J'ai une belle et grande nouvelle qui va te faire ton week-end. Chaque mois, tu touches 773€ dès le mois prochain. Ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 1546€, Maureen. C'est formidable. Eh ben ouais. Je reviens pas. Évidemment, c'était une blague. Non, c'est vrai, Maureen. 1546€, ça arrive pour toi dès le mois prochain. Tu es employé dans une friterie. Oui, c'est ça. Bah, comme dans les ch'tis. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Tu fais quoi ? Tu fais les frites ? Tu les fabriques ou tu les vends ? Ah, les deux. D'accord. On les fabrique, on les vend. Et c'est des vraies pommes de terre que tu découpes et tout ça ? Ah, c'est des vraies patates, ouais, y a pas de problème. Oh là, c'est chiant ça. Pourquoi ? Ah oui, c'est du boulot, tu veux dire, c'est pas des frites congelées, oui, bah évidemment. Ah oui, moi je fais pas ça chez moi, hein. J'achète des frites congelées. Ouais. Ah bah non, c'est pas bon. Bah c'est pas bon, viens les faire chez moi. Pas de problème. Mais qui fait ses frites ? Vous faites moi. Vos frites vraiment ? Mélanie ? Ah ouais. Tu les découpes et tout machin ? Bah oui, mais ça a rien à voir, hein. C'est pas du tout le même goût, pardon. Mais... Et quand tu te fais un steak, tu vas chercher la vache ? Maureen, je te double ton salaire, 1546€, ça arrive pour toi dès le mois prochain. Eh ben merci beaucoup. Eh ben je t'embrasse très fort, je te souhaite une belle journée. Eh ben moi aussi, passez une bonne journée, gros bisous. Gros bisous à toi, 7h08. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur energie.fr et sur manudans69.com. Les deux sites fonctionnent, c'est évidemment gratuit. C'est peut-être vous que j'appellerai tout à l'heure à 8h05. Et je vous rappelle que le vendredi 27 mars, ça arrive. Oui. Le vendredi 27 mars à 8h05, si je vous appelle, je ne doublerai pas votre salaire. Je le multiplierai par 10. Vous vous inscrivez pour vous, ça change rien. energie.fr ou manudans69.com. C'est Zara Larsson tout de suite sur Energie. Nobody.